Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triangle Strategy. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer ce chapitre, terminer ce chapitre et probablement commencer le prochain. L'opération de Novalmine s'est donc soldée par un échec. Apparemment, la maison Wolfort serait en cause. De plus, l'armée Glenbrooken entoure désormais la zone. Il nous serait difficile de reprendre la mine. Les Wolfort ont dû découvrir les gemmes de sel. Maudit soit-il. Donne des ordres pour hâter le rassemblement de nos troupes. Oui, monsieur. As-tu enfin décidé à répondre à ma convocation, Svarog? Je ne nie pas avoir fait construire le glas du jugement secret. J'accepterai ma condamnation. Du moins, si tu es encore en mesure de la prononcer. Et d'où te vient cette assurance insolente? Je sais ce que tu as fait transporter depuis la nouvelle mine norzélienne. Oh, alors tu es au courant pour les gemmes de sel. Parle, Gustadolf. Quel est ton but? Une destruction pure et simple de Isant, grâce à ses gemmes. La fin d'une tyrannie fondée sur une réserve limitée de sel. La naissance d'un continent sur lequel tous pourront vivre libres. Libre le centre déchiré sans égard aux conséquences? Ma foi, pourquoi pas. Ne serait-ce pas plus conforme à la nature humaine, plutôt que de pitoyer sous le joug d'une hypothétique divinité? Les hommes devraient être libres de s'affronter entre eux afin de se mesurer les uns aux autres. Tout comme tu le fais en ce moment même avec moi, mon très cher oncle. Depuis quand connais-tu l'existence de ces gemmes de sel? Autrefois, j'ai trouvé un vieil ouvrage à la grande bibliothèque. Il m'a appris sinon leur existence, du moins des légendes les concernant. Le savoir de nos ancêtres recèle de trésors insoupçonnés. Après tout, c'est au prix de longues heures passées dans cette même bibliothèque que Dragan a pu mettre au point ses fameuses sphères explosives. C'est toi qui es responsable de sa mort, n'est-ce pas? Épargnons-nous les accusations infondées, veux-tu? Les Wolfort se trouvaient sur les lieux du crime ce jour-là, et ils m'ont tout raconté. Ne fais pas l'innocent, Gustadolf, ça ne te sied guère. C'est Dragan qui dirigeait les travaux de la nouvelle mine et il a forcément dû découvrir les gemmes de sel en premier. Ému par la cupidité, tu l'as tué pour ton appareil. Non seulement cela, mais tu t'es aussi servi de sa mort pour justifier ton invasion de Glenbrook. Ai-je vu juste? Quelle imagination fertile. Malheureusement, je vais devoir te détromper. Ton fils était le plus ambitieux d'entre nous. Mon oncle, qu'entends-tu par là? Tu as raison sur un point, c'est bien lui qui a trouvé les gemmes de sel. Mais qui, à ton avis, est venu m'informer de cette découverte? Toutefois, il a refusé de me les livrer à moins que je ne le nomme chancelier d'Icefrost. Oh, et sa convoitise ne s'arrêtait pas là. Il se trouve qu'il négociait avec Glenbrook au même moment, pour s'assurer une place de ministre aux mêmes conditions. Dragan était un extorqueur professionnel qui ne distinguait pas entre patrie et ennemi. Non, mensonge, je ne te perdrai pas d'insulter sa mémoire. Les Wolfort ont raconté leur version des faits, et tu l'as prise pour acquise. M'aurais de croire ce qui t'a rangé. Non. Mon oncle, l'heure n'est pas aux querelles intestines. Glenbrook a appris l'existence des gemmes de sel, ce n'est plus qu'une question de temps avant que cette information ne parvienne à Isant. Tu viens de te trahir là. Si Glenbrook venait de l'apprendre, c'est que Wolfort n'était pas au courant au moment où Dragan a marchandé avec eux. Nous devons nous tenir prêts à leur résister. Qu'attends-tu de moi? Mes travaux du glas progressent trop lentement. Je veux que tu te charges d'achever sa construction. Si tu réussis, je t'offrirai le poste de chancelier. Vois cela comme l'occasion d'exaucer les rêves de ton défunt fils à sa place. Ce sera fait. Il n'y a plus une minute à perdre. La guerre sera, sera à nos portes d'un jour à l'autre. Il n'avait pas tué, lui La dernière de toutes les guerres, celle dont le survivant gagnera le droit de régner en maître sur Norzelia. N'était pas mort l'oncle là? Il n'avait pas tué Gustadolf? Sommeil, pauvre enfant. Faim. Nous allons sauvegarder évidemment. Comme quoi, hein, ça commence à remonter. Hein. Hey, 6 juillet. Chapitre 14, acte 1, je te donnerai mon cœur. Le 6 juillet 2022, là on arrive. 14 juillet 2023, c'est le 16. Ouais, on a quelques retards. Ça va. on a pas pris un an pour refaire la même chose. Mais à un moment, c'était quasiment la même période. Il me semble. Au fond de la nouvelle mine norzélienne dormaient des gemmes de sel. Après cette découverte qui avait le pouvoir d'ébranler tout Norzelia, les membres de la maison Wolfort retournèrent au château de l'Ilse Blanche afin de décider de leur voie future. Chapitre 17, acte 1. Si mes plaintes pouvaient remuer les passions.
Ta la la. Les hasards de la fortune ont placé ces gemmes de sel entre nos mains. Mais maintenant, que sommes-nous censés faire? Ces roches peuvent à elles seules changer le destin de tout le continent. Si nous les utilisons à bon escient, nous devrions pouvoir concrétiser l'avenir selon nos désirs. D'un autre côté, c'est une bombe à puissance qui ne demande qu'à exploser. Nos autres pays vont tous nous tomber dessus. En particulier les terres sacrées, nous trahirons et nous attaquerons immédiatement, j'imagine. Sans aucun doute, il en va de leur existence. Isante ne reculera devant rien pour nous reprendre ses gemmes. Je ne pense pas que le duché d'Aesfrost soit plus enclin à nous les laisser. Nous ne pourrons jamais garder un tel secret. Tôt ou tard, il finira par se savoir. Peu importe si nous protégeons ces gemmes ou si nous nous en servons, nous devons prendre une décision, et vite. Roland, que t'arrive-t-il? Ce problème concerne bien plus que le royaume de Glenbrook, c'est l'avenir du continent entier qui est en jeu. Je sais bien qu'il me faut rapidement prendre une décision, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Je comprends votre prudence, votre majesté, mais si nous laissons l'ennemi prendre l'initiative, nous pouvons tout perdre. J'en suis bien conscient, mais cette décision est trop importante. Mais pour être honnête, je suis moi aussi un peu pris de court. J'aimerais entendre votre avis avant de prendre une décision. Enfin, vos avis plutôt. Fort bien. En ce cas, prenons donc le temps de la réflexion. Serenor, je n'aurai qu'une seule question. Es-tu prêt à me suivre? Roland, je suis devenu l'un des sept saints de Isante, mais je reste avant tout le chef de la maison Wolfort, au service de la couronne de Glenbrook. Et surtout, je suis ton ami. Ne l'oublie jamais. Oui, bien sûr. Serenor, retourne avec tes hommes au château de Wolfort. Si Isante tente quoi que ce soit, préviens-moi immédiatement. C'est entendu. Retrouvons-nous plus tard. Faubourg Aesfrost III, la période de chaos actuelle n'épargne personne, pas même la firme Norzelienne. Aesfrost a perdu son emprise sur la mine et saisit les gemmes de sel et Gustadolf a rassemblé ses troupes à la porte des deux sentinelles. Et nous avons également la nouvelle de l'existence des gemmes de sel enfouies dans la nouvelle mine arrive jusqu'au palais de l'oracle. Ah bon? Milou, tu as trahi les Wolfort? C'est pas possible. C'est scandaleux. Nous avons reçu un message de Milo, parti en mission à Glenbrook. Mais c'est pas normal, ça c'est pas cohérent par contre. Les Wolfort ont trouvé des gemmes de sel dans la nouvelle mine norzalienne. Qu'avez-vous dit? Vous voulez dire qu'il existe du sel ailleurs qu'à la source? Il semblerait, oui, bien que ce ne soit pas une surprise absolue, si l'on considère les légendes roséliennes. C'est la première fois que j'entends parler d'un tel mythe. L'oracle avait ordonné de ne le révéler à personne, pas même aux sept saints, afin de ne pas mettre en danger l'autorité de notre déesse. Jamais je n'aurais imaginé que l'on puisse trouver du sel ailleurs que sur nos terres sacrées. Je comprends maintenant ce qui a motivé Gustadolf à attaquer Glenbrook. Comment pouvez-vous rester de marbre face à cette nouvelle? Le sel est censé être une bénédiction de la déesse, que la déesse offre à ses fidèles. Si ces gemmes de sel sont réelles, nous risquons de perdre tout ce sur quoi notre contrée est construite. Oh oh, qu'importe sa forme, du sel reste du sel. Nous avons simplement à nous assurer que ces gemmes se retrouvent entre nos mains. En effet, mais comment comptez-vous vous y prendre? En utilisant la force, Sir Aixam, rassemblez les troupes immédiatement. Vous vous emparez de la nouvelle mine, c'est un ordre de son excellence. Vous voulez attaquer Glenbrook? Le roi Roland et la maison Wolfort ne se laisseront certainement pas faire. Sir Wolfort fait partie des sept saints, se pliera naturellement à la volonté de l'oracle. Bien sûr, oui. Suivant la déesse ou rester aux côtés du roi Roland, le moment est venu pour Serenor de nous montrer où se situe sa loyauté. Arrêtez-vous au château de Wolfort sur le chemin de la mine et assurez-vous de sa fidélité. Et s'il se rebelle? Il connaîtra alors une fin digne d'un hérétique, bien entendu. Évidemment. Aïe. Ça va être le temps des choix galères, là. Vous avez entendu les rumeurs, monsieur Clarus. Vous voulez parler de celle concernant l'attaque imminente de Isante sur Glenbrook? Oui. Oh, je vois qu'elles sont déjà arrivées aux oreilles de la firme. Pensez qu'elles sont vraies? Le roi Roland vient juste de récupérer son trône grâce à l'aide de l'armée isantaise et d'annoncer la reprise des relations diplomatiques. En temps normal, une guerre entre les deux pays serait par conséquent impensable. Il a forcément dû se passer quelque chose de capital. Qu'en pensez-vous qu'il se soit passé? C'est ce que j'aimerais bien savoir, moi aussi. Peut-être que cela a un rapport avec le fait qu'Aesfrost a rassemblé ses troupes à la porte des deux sentinelles. Probablement, oui. Le sentiment que la bataille qui approche décidera du sort de Norzelia.
Et qui dit grande bataille dit besoin de ressources. C'est le moment où nous, marchands et commerçants, allons faire fortune. Oui, vous avez bien raison. Si l'équilibre des puissances politiques venait à changer, de nouvelles opportunités commerciales verraient forcément le jour. J'imagine que la firme se rangera du côté de Isante, comme d'habitude. Ça, c'est encore à voir. Personnellement, je pense que les Wolfort joueront un rôle clé dans ce qui vient. Les Wolfort, comme je vous le dis, ils ont créé des liens étroits avec chacun des trois pays. Attends de voir ce que Serenor Wolfort va faire avant de décider quoi que ce soit. pas bête le monsieur le marchand. Pam 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 pam. Ta 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 ta. A chaque fois qu'on entend la map, on l'a celle-là. Braves compatriotes, nous voici réunis ici devant la porte des deux sentinelles. Du sel a été trouvé hors de la source dans la nouvelle mine Norzelia sous forme de gemme. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que Glenbrook nous l'a dérobé. De plus, le Sir Serenor, à la tête de la maison Wolfort, fait désormais partie des 7 saints de Isante. Ce qui veut dire que les terres sacrées apprendront bientôt l'existence de ces gemmes de sel, qui remettent en cause l'autorité de leur déesse. J'imagine que j'ai nul besoin de vous expliquer ce qui en découlera. Oui, Isante va essayer par tous les moyens de s'en emparer. L'oracle enverra ses troupes à Glenbrook pour s'approprier la nouvelle mine. Et bien sûr, ils ne s'arrêteront pas là. Ils marcheront sur Aes Frost, cela ne fait aucun doute. Mais ils essaieront de prendre le contrôle de tout le continent. Aujourd'hui, notre duché fait face à la plus grande menace de son histoire. Mais nous ne nous laisserons pas faire par leur déesse ou leur doctrine. Nous les laisserons par nous prendre nos libertés. Nous les repousserons ici même, à la porte des deux sentinelles. Mais ne vous en faites pas. Notre nouvelle arme, le glas du jugement, sera bientôt prête. Avec ce canon, notre victoire est certaine. Nos boules de fer noires auront raison de leur fausse déesse. Aux armes, vaillants héros de fer noir. Vos noms seront à tout jamais ancrés dans l'histoire. Vous serez honorés pour avoir défendu Aes Frost au péril de vos vies. Ouais, allons mourir. Aes Frost, Aes Frost, Aes Frost. Les boulets de fer auront raison des mensonges. En effet, Gustadolf. En effet. Tintin. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il va mourir. Le retrait derrière. Les 7 saints de Isante, maintenant informés de l'existence des gemmes de sel, décidèrent de lever immédiatement une armée afin de prendre d'assaut la nouvelle mine. Pendant ce temps, aux deux sentinelles, Gustadolf préparait ses hommes à une bataille décisive dont la victoire pourrait faire régner la suprématie d'Aes Frost en Norzelia. Et Roland, il est hésitant. Tous les yeux étaient tournés vers Glenbrook, possesseur des gemmes de sel. Les prochaines décisions de Serenor et Roland auraient un impact déterminant sur l'issue du conflit. Le cœur, alourdi par un choix difficile, Roland se rendit maintenant au château des Wolfort afin de faire part à Serenor de sa volonté en tant que roi de Glenbrook. Tout se passe chez les Wolfort hein, quand même, disons-le. Alors, qu'avions-nous fait à l'époque? Ah non, ça c'est les intrigues, on peut les revoir. Ça nous permet de voir premier acte, acte final, ok. Est-ce qu'on a acte final? Deuxième acte. Voilà, par exemple, Julio, on n'a pas fait le troisième acte. Pas l'acte final de tous. Premier acte, deuxième acte. Ouais, il y a des actes qu'on n'a pas fini du coup. Récapitulatif. Après, on a peut-être fait le final sans avoir le deuxième. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est le choix là, c'est le choix décisif de la fin là. Si mes plaintes pouvaient remuer les passions. Les Wolfort choisissent de suivre la voie de Frederica et de libérer les Roséliens. C'est quoi, on va sauvegarder là. C'est là qu'il nous faut les sauvegardes. Il y a déjà les 10. Crois en sa fierté fin. Mer calme fin. Épilogue.
Là, c'est là où on en est. Bon, ça, on s'en fout en vrai. On va écraser cette sauvegarde là. Si mes plaintes pouvaient remuer les passions. On va faire la même. Voilà, comme ça j'en ai deux. On pourra faire les deux choix. Deux autres choix à voir, parce qu'il y a plein de petites bifurcations entre les deux routes et je sais pas à quoi ça correspond. Orland, tu nous fais donc enfin l'honneur de ta présence ici. Enfin, il me fallait du temps pour réfléchir et tu le sais très bien, ma décision est prise. Je t'écoute. J'ai longuement réfléchi à ce qui pouvait être dans le meilleur intérêt du continent. Bien que 30 années se soient écoulées depuis la guerre en hier, l'origine même du conflit, elle, n'a pas disparu. Nous cherchons seulement à nous battre pour satisfaire nos intérêts personnels aux dépens des autres. Ce faisant, qui en souffre toujours le plus? Le peuple, bien sûr. C'est exact, l'avidité des hommes de pouvoir entraîne la souffrance du peuple, voire sa mort. Mais si nous n'assurons pas la prospérité de notre peuple, les gens souffriront dans la pauvreté. C'est tout à fait exact. Toutefois, j'ai autre chose à ajouter. Si nous pouvions vivre sans qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant, en offrant aux gens la possibilité de vivre égaux, nous assurions la stabilité de tous les territoires. L'égalité? Mais comment comptes-tu y parvenir? Tu ne penses tout de même pas à... La doctrine de la déesse? Si. Au regard d'une divinité absolue, nous sommes tous égaux, que nous soyons rois ou gens du peuple. Serenor, j'en suis arrivé à la conclusion que la forme de gouvernement idéale est celle de Izant. Pardon? T'as complètement débloqué, Orland. Forme de gouvernement idéale est celle de Izant, qui réduit un peuple en esclavage? T'as débloqué, mon gars. Ils ont pris la décision de remettre les gemmes de sel de la nouvelle mine à Izant. En faisant cela, Izant régnera sur tous ses voisins. C'est exactement ce que je souhaite. Ainsi, il n'y aura plus de combat pour le sel, et le monde sera beaucoup plus calme et plus égalitaire qu'il ne l'est actuellement. Mais cette égalité n'a rien de parfait. Il y aura des victimes, notamment les Roséliens. Je le sais bien, mais ce n'est qu'un petit nombre de gens. La majorité pourra vivre en paix. C'est un argument, ça. Il est impossible d'atteindre la perfection en ce bas monde. Assurer le bonheur du plus petit ou du plus grand nombre. Le choix est vite fait en ce qui me concerne. En cédant le trône à la déesse, tu perdras irrémédiablement le droit de régner sur Glenbrook. S'il le faut, alors oui. Si je peux assurer la paix de mon peuple, peu m'importe mon statut ou ma fierté. Tu serais donc prêt à faire un tel sacrifice? Serenor, je te le demande en tant qu'ami. Bats-toi avec moi pour que Izant puisse unifier tout Norzelia. Si tu renonces au fait que tu sois roi, est-ce qu'on peut pas dire « En fait, moi je suis digne héritier. Je comprends que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Prends le temps qu'il te faudra. Bon, » C'est le dernier qu'on fera. Bien sûr, cela signifiera l'abandon des Roséliens. Je suis certain que Frédéric ne me le pardonnera jamais. J'aurais préféré ne jamais devenir la source d'un désaccord entre vous, mais je dois le faire. C'est là mon dernier devoir en tant que roi de Glenbrook. C'est le dernier choix qu'on fera, ça. Hein. Désolé, mais ouais. Sa Majesté Roland avait l'air bien soucieux. Ce n'est pas étonnant. L'avenir du royaume, que dis-je de Norzelia tout entier, dépend de cette décision. Que voudriez-vous faire avec les gemmes de sel, Serenor? Pour être honnête, je n'en sais trop rien. Le sel est une denrée essentielle pour tout le monde. Théoriquement, il faudrait le partager. Oui, mais c'est là toute la difficulté. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec la source. Le sel peut aussi déclencher les guerres. Il en a toujours été ainsi en Norzelia. Si la ressource infinie dont parle les gens de votre peuple existait encore, les conflits cesseraient immédiatement. Serenor, il y a une chose que je comprise lorsque nous avons trouvé la gemme de sel. Les gens transmises par ma mère disent la vérité. De plus, l'enseignement de la déesse qui persécute le peuple Rosel n'est qu'un mensonge, c'est bien ça? Oui, les crimes dont on nous accuse des fidèles de la déesse n'ont jamais existé. Et pourtant, nous sommes ostracisés, traités comme des criminels, réduits en esclavage à la source jusqu'à notre mort. Et ce depuis des générations et des générations. Combien sont morts inutilement? Les terres sacrées ont sacrifié les Roséliens pour asseoir et légitimer leur autorité. Ils utilisaient en armes en plus. C'est ça la triste réalité derrière leur religion. Nous avons appris la vérité grâce à la gemme de sel. Je pense qu'il est grand temps de délivrer mon peuple de cette situation intenable. Bientôt, cette roche entraînera le début d'une nouvelle grande guerre. Si nous profitons de la confusion pour pousser les Roséliens à la révolte, nous pourrons les sauver. Je sais que vous ne pensez pas à mal, mais
Oui, je ne suis qu'une douce rêveuse, je sais. Et puis la souffrance de mon peuple ne vous concerne pas, ni presque personne d'autre d'ailleurs. Nous n'avons jamais pu compter sur un quelconque soutien extérieur. C'est pour ça que ma mère a fait la révolution toute seule. Et elle a échoué. Dites pas que cela ne me concerne pas. Nous avons accueilli des Roséliens sur nos terres. Et surtout, Frédérica, nous les avons rendus à Isante. Vous êtes Rosélienne. Vous êtes la personne qui compte le plus dans ma vie. Merci, Serenor. Je suis heureuse de vous savoir à mes côtés. C'est d'ailleurs pour cela que je pense réussir là où ma mère a échoué par le passé. Ah, mais Serenor, tu en es mort la dernière fois. La libération du peuple Rosel n'est pas du domaine de l'impossible, mais c'est un pari dangereux. Même si nous devions réussir, les vrais problèmes surviendraient après coup. Isante ne laissera jamais vivre en paix. C'est très vrai. Si les choses devaient mal tourner, nous partirions pour Centralia. La légende rapportée par votre mère en parle. Tout au sud du continent, le fleuve se jette dans les chutes de Norzelia. L'ancienne contrée des Roséliens devrait se trouver encore plus au sud. Nous l'y chercherons. Mais ce n'est qu'une légende, et la légende rapportée par votre mère disait vrai. Je pense que nous tenons une piste sérieuse. J'entends déjà les remontrances de Bénédicte. Après tout cela, cela revient à laisser derrière nous tous les sacrifices et les efforts que nous avons consentis. Le désir m'engage avec vous sur ce chemin. C'est mon cœur qui me l'ordonne. Deuxième choix, celui que nous avions fait, qui a mené à, finalement la mort de Serenor. Le fait que Bénédicte était avec Aesrost. Jeune maître, la découverte de ces gemmes de sel marquera un tournant dans l'histoire du continent norzélien. Notre prochaine décision répondra à la question suivante. Le nom des Wolfort restera-t-il dans les livres d'histoire ou disparaîtra-t-il dans les limbes de l'oubli? Que faire de ces gemmes de sel? Tu as une idée, Bénédicte? Il ne faut surtout pas que les terres sacrées s'en emparent. Si d'aventure elles parvenaient à faire main basse sur la source et sur les gemmes de sel, alors elles tenteraient de régner sur tout le continent. Au nom de l'égalité devant la déesse, prônée par leur religion, nous perdrions les gemmes, nos terres, ainsi que tous les habitants qui y vivent. Tout ça malgré ma position parmi les sept saints? Oui, ils n'arrivent pas à obtenir l'égalité qu'en confisquant tout pour la déesse. Enfin, dans les faits, tout revient à l'oracle. Et lorsque leur règne sera installé, ils auront le droit de vie ou de mort sur tous les peuples de Norzelia. Lianbrook, Aesfrost et nous-mêmes venons de mener bataille et les stigmates de la guerre sont encore vifs. Isante ne ferait qu'une bouchée de nous si nous nous révoltions maintenant. Non, il reste un moyen de les vaincre. Lianbrook n'aurait que faire alliance avec Aesfrost. Avec Aesfrost? Mais enfin, tu n'es pas sérieux, Bénédicte. Il n'y voit rien de bien surprenant. Aesfrost veut mettre un terme à l'hégémonie de Isante et ils ont besoin de ces gemmes de sel à des fins militaires. Leurs intérêts et les nôtres convergent en un sens. Le plus important étant qu'Aesfrost prépare l'invasion des terres isantes depuis très longtemps. Tu penses à cette arme dont parlait son Altesse Cordelia, le glas du jugement, n'est-ce pas? Précisément. Elle a été inventée dans l'unique but de pouvoir détruire le bouclier de la déesse qui protège la capitale de Isante. Nous serions stupides de ne pas en profiter. Si vous m'en donnez l'ordre, je saurai obtenir la coopération du duché. Je vois. Tu as une idée très arrêtée sur la question. Mais que va dire Roland? Il n'acceptera jamais de pactiser avec l'ennemi. Bah, il accepte de le faire avec Isante, c'est clairement l'ennemi. Hein. Jeune maître, gardez votre calme et écoutez-moi jusqu'au bout. Ça ne te ressemble pas. Que se passe-t-il? Pensez-vous réellement que Sa Majesté Roland soit digne d'être votre seigneur? Bénédicte, qu'est-ce que tu insinues? La décision qui nous incombe est capitale, c'est pourquoi je me dois de vous le demander en toute franchise. Comptez-vous réellement rester toute votre vie au service de quelqu'un d'autre? Pas un mot de plus, Bénédicte. Roland est mon meilleur ami. Peu importe, vous êtes le chef de la maison Wolfort, renommé pour ses prouesses militaires aux quatre coins du continent. Vous n'êtes pas un chien ni garde, ni pour Glenbrook, ni pour Isante. La première chose que vous devez protéger, c'est le drapeau arborant les armoiries de votre famille. N'ai-je pas raison? Vous n'êtes pas de ceux qui se contentent de protéger le drapeau. Si vous en donniez les moyens, vous pourriez régner en maître sur Norzelia. Qu'attends-tu de moi? Que je redisse un complot? Il ne s'agit pas d'un complot. Vous êtes de sang royal, si vous possédez la chevalière pour le prouver. Il me semble avoir dit que ce n'était pas le moment d'y penser. Certes, mais n'oubliez pas le temps que la décision approche vite et qu'elle n'attendra pas. Après, Roland, ça se voit qu'il ne veut pas être roi. Il suffit, laisse-moi seul. Ça se voit clairement. Donc t'es pas obligé de le buter. Jeune maître, donnez-moi un ordre, je l'exécuterai, quel qu'il soit. Je vous en supplie, prenez une décision sensible et raisonnée. Pour la maison Wolfort et surtout pour vous-même. Oui. Une qui ne te mène pas à la mort. Bon bah ça risque d'être le choix de Bénédictin pour le coup. Parce que jamais Isante. Entre Isante et Aesfrost. C'est quand même choisir entre la merde et la merde, mais... Aesfrost, hein. Alors jeune maître, êtes-vous parvenu à une conclusion? Non, pas encore. Je n'arrive pas à savoir quelle serait la bonne voie.
Vous savez que peu importe ce que vous choisissez, je vous suivrai, quel que soit le pays contre lequel nous devrons nous battre. Le pire dans tout ça, c'est que il y a probablement une voix. Je sais pas comment on l'atteint, je ne sais pas comment c'est faisable, mais on m'a dit qu'il y avait une voix secrète. Je sais pas comment on fait pour la voir. J'espère qu'il faut pas faire trois fois le jeu quand même. Ça va être chaud sinon. Mais j'irai me renseigner après avoir fini cette route là. On verra. Je suis même sûr que si nous réussissons à les attirer sur notre domaine, nous pourrons gagner la première bataille. Que veux-tu dire? Il y a un piège caché dans ce bourg. Ah ben c'est vrai. On l'a pas utilisé celui-ci dans cette route. Un mécanisme lié aux canaux qui s'écoulent par les murailles environnantes. Grâce à lui, nous pouvons déverser de l'huile le long des canaux et faire frire les ennemis qui se retrouveront prisonniers dedans. Pardon ? On n'avait jamais entendu parler. On peut faire ça avec la première mission, si... mais là on est allé chez les Folks, donc du coup on n'a pas utilisé ça, et ça revient que maintenant. Ah, intéressant ça. Moi non plus, c'est Bénédicte qui me l'a appris il y a quelques jours. Détruire les statues de faucons fait sortir des clôtures du sol, puis la zone ainsi cernée est enflammée grâce à l'huile devant arrivant les canaux. Yes. Changer de manette entre temps, pour justement éviter d'avoir ça. Les ennemis piégés à l'intérieur ne peuvent pas fuir et sont réduits en cendres. Ce qui veut dire que les habitations encerclées par ces clôtures le seront aussi. Méthode efficace mais cruelle. Oui, je comprends pourquoi votre père Bénédicte aurait préféré ne pas vous en mettre au courant. Mais parfois, on ne peut pas se permettre de choisir. Quoi qu'il en soit, cela devait s'avérer nécessaire, je pense que vous devriez utiliser ce stratagème. Oui, tu as raison, merci Erador. J'apprécie beaucoup ton aide. C'était très efficace d'ailleurs. Très très efficace. Mais effectivement, on n'avait pas cramé là. On va falloir choisir. Du coup, ça peut changer les choix. Le fait d'être parti chez les Folks là sur ce coup. Tintintintin. Alors peut-être vaut mieux sauvegarder maintenant. Peut-être vaut mieux peut-être faire une double sauvegarde maintenant. En vrai. Vous savez quoi? On va quand même prendre... Voilà. On va se mettre en tête que... On se met sur la 3. Pour faire notre choix. L'heure de la plus grande décision de la balance des convictions approche. À partir de ce point, l'histoire peut évoluer dans des directions radicalement différentes. Donc, recommandez de sauvegarder votre progression actuelle et de garder ces données de côté. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Ah, mais c'est ce qu'ils avaient... J'avais pas fait ça. Si, j'avais fait ça, déjà. Bon, 16, 17h16. Là, on est bon, là. Ok, je garde ces deux fichiers et on relancera la partie d'ici. Tu me confirmes que Isant a envoyé ses troupes vers la nouvelle mine? Oui, je suis formel. Ils ont dû avoir vent de l'existence des gemmes de sel. Nous n'aurions pu le leur cacher indéfiniment de toute façon. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne l'apprennent. Aesfrost est également en train de rassembler ses troupes à la porte des deux sentinelles. Dans ce cas, la guerre a déjà commencé. Nous devons nous y préparer sur le champ. Que va faire Glenbrook, votre majesté? Ma décision est prise. Les gemmes de sel trouvées dans la nouvelle mine sont remises à Isant. Pardon? De plus, les terres des citoyens de Glenbrook seront également placées sous la protection isantaise et la doctrine de sa déesse. Même avec le sel de la mine, il me serait impossible d'apporter le bonheur à tous mes citoyens. Voilà pourquoi j'ai choisi cette voie. Grâce à Isant, le peuple pourra vivre dans l'égalité et la prospérité. C'est absurde. Si cette guerre a éclaté, c'est justement parce que Isant voulait s'arroger le monopole du sel. S'arroger plutôt. Quant à l'égalité et la doctrine de la déesse, c'est à l'opposé même de ce principe. Vous avez pourtant vu les Roséniens à la source, non? Exactement. Si les Isantés mettent la main sur les gemmes de sel, ton Orzelia n'aura d'autre choix que de se soumettre à leur foi. Nous serions forcés de nous plier aux moindres volontés de l'oracle. Je suis conscient que je devrais abandonner mon pays et mon statut. Mais pour le peuple, l'égalité serait une bénédiction. Une grande partie des citoyens vivraient plus paisiblement et de façon plus prospère qu'actuellement. Et vous vous êtes prêts à sacrifier délibérément les Roséliens pour cela? Oui. Ok, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Je m'y oppose. Devons nous allier à Aesfrost et terraser Isant ensemble. Si nous lui offrons les gemmes de sel, l'intendant acceptera certainement de se battre à nos côtés. Et là, on perd. Si on prend Bénédicte, on perd Roland. Si on prend Roland, on perd Frédérica. Et si on prend Frédérica, on a perdu Bénédicte.
Yes. Pas moyen de faire on fait les trois. S'allier à Aesfrost. Jamais je ne pourrais m'associer avec ce chien de Gustadolf. Je suis persuadé du contraire. Si, comme vous l'affirmez, vous seriez prêt à sacrifier votre pays et votre trône pour le bien du peuple, alors vous devriez pouvoir renoncer également à votre fierté. Oh, s'il lui a envoyé Bénédicte là. Oh là là, comment oses-tu? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré. Chacun ne pense qu'à son propre pays et à ses propres intérêts. Mais tous ferment les yeux sur la souffrance des Roséliens, et ce depuis toujours. Bah, du coup, tu penses qu'aux Roséliens, toi. Et ton peuple. Enchaîné par la doctrine de la déesse, mes frères et mes sœurs donnent leur vie pour le sel. Et maintenant que nous savons que ce sont des mensonges et que ces gemmes de sel existent, voudriez laisser mourir à la source? Dame Frederica, ce n'est pas le moment opportun pour débattre du sort des Roséliens. Au contraire, c'est maintenant que la confusion règne sur le continent que nous avons une chance de les sauver. Si les gemmes de sel tombent entre les mains de Isant, les Roséliens resteront prisonniers à jamais. Mais nous détenons la vérité, c'est à nous d'agir. Tous nos efforts doivent être dirigés vers la victoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller nos ressources dans un but pareil. Et qu'entendez-vous par un but pareil, je vous prie? C'est un objectif déraisonnable. Sauver les Roséliens comporte de trop grands risques. Et quand bien même nous réussirions à les libérer, comment compteriez-vous échapper au courroux de Isant après cela? Sans compter que nous encombrer les Roséliens représenterait un point faible qu'Aesfrost n'hésiterait pas à exploiter. Encombrer les Roséliens, tu parles d'un peuple, mec. Oui, nous nous retrouverons isolés et nous serions certainement très vite décimés. Il existe un moyen d'éviter cela. Et quel est-il donc? Quitter Norzelia avec les Roséliens et chercher Centralia, la terre de nos légendes. Baliverne. Cette légende est vraie. Même si elle l'était, abandonner notre domaine serait impardonnable. Jamais je n'accepterai de faire une telle chose. Il suffit. Du calme, vous trois, et j'ai entendu chacun de vos avis. Ces opinions vous sont dictées par vos convictions, pas vrai? Oui. Je m'excuse, mais cette fois je ne me plierai pas. Moi non plus. Très bien. Nous devons choisir une voie, et une seule, qui décidera de notre futur. Faites amener la balance des convictions, cette décision sera sans doute la plus importante de toutes. Aïe, 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 aïe. Ça va faire mal. Cette fois-ci, ce vote pourrait nous diviser, il n'y a pas besoin de deux nous. Pour de bon, je dois me tenir prêt à accepter les conséquences. Tu m'étonnes que tout le monde est indécis. Bon. Faudra faire un choix. Et ce sera la prochaine fois. Tout à fait. Nous ferons ce choix et continuerons cette route. Une fois que nous aurons fini cette route, et donc le jeu pour la deuxième fois, nous reviendrons à ce point de départ et nous ferons la troisième voie que nous n'avons pas faite. Nous avions fait en premier les idéaux de Frederica. Nous allons faire en second le plan de Bénédicte, puisque la décision de Roland, non. Mais nous le ferons en troisième. Et on verra bien. On verra bien. Entre temps, une fois que j'aurai fini la 2, j'irai quand même voir, moi de mon côté, sur internet, comment déverrouiller la route entre guillemets secrète. Voir si c'est trop difficile à faire, s'il faut recommencer le jeu par exemple, et là ça serait chiant, ou si pas. Voilà, on verra. On va donc s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Parce que moi là j'ai quelques semaines, enfin quelques jours, ouais non c'est quoi, ça va faire deux semaines. Deux semaines où je pourrais pas tourner de vidéo. Et donc, enfin une semaine où je vais pas tourner de vidéo et je pourrais en retourner après, la semaine d'après. Mais ça va être un peu la même rengaine. Ça va être un peu chiant. Bref, ça pour vous dire que je vais pas pouvoir tourner beaucoup de vidéos. Donc si ça se trouve il y aura pas d'épisode la semaine prochaine et ce sera la semaine d'après. Ou inversement il y en aura la semaine prochaine et il y en aura pas la semaine d'après. Ou alors tout va bien et il y en a un dans les deux semaines mais on verra bien. Ciao ciao tout le monde. Et à la prochaine.